oh là là, mais qu'est-ce que ça descend, je suis trempé. Comme on dit au Pérou, il pleut comme la main qui pisse. C'est tout cet endroit détient le record mondial de pluviométrie, 15 000 mm. Oui, je sais, 15 mètres. De là, son joli surnom de 15 000, 15 000 en espagnol. Les derniers types qui ont tenté de rejoindre ce camp n'ont pas réussi. Ça fait un mois que ses habitants n'ont pas été ravitaillés. Je pense qu'ils vont être très contents de nous voir. Allez, allons-y. Décollons et mettons le cap vers le nord. Notre destination se trouve à environ 26 nautiques d'ici. Rentrez. Le plafond nuageux est vraiment bas et il y a intérêt à se maintenir en dessous. Ok, flotteur d'aile abaissé. Roulons jusqu'à la jetée pour qu'on puisse charger. On va devoir descendre et charger toutes les provisions. Parfait, toutes les provisions sont à bord, en route pour le village. Oui. Et j'ai hâte de voir leur tête. Il y a un autre lac, environ 6 nautiques au nord-ouest d'ici. Le village se trouve sur la rive sud du lac. Une fois sur place, nous déchargerons l'avion et j'irai au village. Ils nous doivent encore quelques vols, il va bientôt falloir qu'on se ravitaille en carburant. Ok, voilà le lac. Le village est situé sur la rive sud. Vérifie que le train est bien rentré pour un atterrissage.
Ah, pas mal cette cabane et cette jetée de fortune, faite de trois grosses branches et de feuilles. Roulons dans sa direction pour qu'on puisse décharger. Je n'ai jamais vu des gens aussi contents. D'après ce que j'ai compris, ils seraient sur le point de découvrir un temple ancien. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensent. À ce qu'ils disent, le musée de Londres nous récompensera comme il se doit si nous les aidons. Qu'est-ce que t'en dis, toi? J'en dis que ce serait là un bon moyen de se faire quelques dollars. Attention, nous ne réjouissons pas trop vite. Malheureusement, ce n'est pas toujours aussi intéressant qu'on pourrait le penser. Et les découvertes spectaculaires sont vraiment rares. Le tout dernier temple qu'ils ont découvert n'était pour moi qu'un tas de pierres. L'année dernière, nous avons mené une étude ethnographique dans ce village. Et nous avons fini par obtenir des infos sur la légende du temple de l'Anaconda. Et maintenant, nous allons... Et où se trouve-t-il exactement? Eh bien, si nos déductions sont justes, et je suis quasiment sûr qu'elles le sont, il devrait se trouver un périmètre situé à 11 nautiques au sud-ouest d'ici. Ok, tu as entendu? Ce temple devrait se trouver à 11 nautiques au sud-ouest. Allons-y, let's go! C'est parti! Vous savez, dans mon travail, j'évite les idées préconçues. Mais cette fois, ça a payé. Les habitants de la région n'arrêtent pas de parler des anciens qui vénéraient l'anaconda, un des plus grands serpents au monde. Les annales des conquistadors font mention d'un site ancien appelé Ventre du Serpent. Je pense qu'il s'agit d'une métaphore pour décrire la partie centrale d'un lac sinueux. Il y a quelques jours, un ancien village m'a confié avoir des souvenirs de son enfance dans lesquels il voyait des statues en forme de serpent bordant une rivière. Je lui ai montré une carte et il m'a clairement indiqué un lac long et étroit, non loin d'ici. Et c'est là que nous allons. Alors on observe et on cherche des statues géantes de serpents. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Lorsque j'ai demandé au vieil homme s'il se souvenait d'un temple, il a acquiescé et... il m'a dit qu'il ne s'y rendrait jamais. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu « maldito ». Malédiction? Ah, alors là, ce n'est pas très rassurant. Bien sûr, je suis une scientifique et je ne crois pas aux malédictions. Mais ceci dit, j'ai été intriguée et plutôt impressionnée. Ah, le voilà, ce lac. D'elle abaissée. Je crois qu'on ferait bien d'aller l'examiner d'un peu plus près. Ben voilà qui sort de la fumée maintenant. On va se poser au pied de la falaise pour voir tout ça de plus près.
Regardez vers la rive gauche. Fantastique! Ça correspond à la description du vieil homme. Regardez ces statues. Wow! Allez, on va explorer Lens. J'en ai le souffle coupé. Oui, vraiment coupé. C'est encore plus beau que je l'avais imaginé. Vous deux, restez dans l'hydravion. Je vais fouiller la végétation un peu plus haut sur le rivage. Le temple n'est pas bien loin. Impala John peut vous accompagner? Non, j'apprécie votre offre, mais je dois y aller seule. Je n'en ai pas pour longtemps. Bon, d'accord. On vous attend ici. Si vous avez besoin de quelque chose, criez. On va se mettre en position prêt à vous coller. On ne sait jamais. Moi, je ressens une sorte de malaise parmi tous ces reptiles pétrifiés. Eh bien, si on m'avait dit qu'un jour je me retrouverais dans un gros man devant un temple ancien près d'un lac en lisière de jungle péruvienne, j'aurais crié au fou. À l'époque, je me destinais à la ligne. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le moindre regret. Hurry up! Partons d'ici! Tout s'écroule! Regardez les colonnes! Vous êtes à bord! Allons-y! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en arrivant au temple, juste au moment où j'ai touché la porte, tout a commencé à s'écrouler et j'ai juste eu le temps d'attraper cette statue et de courir. Vous l'avez prise dans le temple? Oui, d'accord, je suis archéologue et en tant que telle, je n'aurais pas dû faire ça. Mais tout s'est écroulé et ça a été instinctif. Attachez votre ceinture. Visiblement, on a un problème avec les commandes de vol. Je ne peux pas ramener cette idole au village. Les villageois sont au courant pour la malédiction. S'ils la voient, ça va barder. J'aurais peut-être dû écouter ce vieil homme. Vous pouvez m'emmener à l'aéroport de Kinsemin? Pas de problème. Enfin, j'espère. En route pour l'aéroport. Vous pourrez envoyer cette idole à Londres pour permettre au muséum d'en vérifier l'authenticité. Vérifie que la batterie est en marche. L'indicateur d'assiette est lui aussi en panne. Visiblement, mais plus rien ne fonctionne. L'altimètre ne répond plus. À partir de maintenant, on doit utiliser le radio-altimètre.
Incroyable! Voilà qu'on a une fuite d'huile sur le moteur droit maintenant. Ce n'est pas bon signe, n'est-ce pas? Alors c'est pas bon signe du tout. Panne du moteur droit, on lise un drapeau. Dites! On va s'en sortir? C'est quoi tous ces voyants? Sans vouloir vous manquer de respect, il y a l'urgence. Vous voulez bien garder vos questions pour plus tard, lorsqu'on aura atterri? Bien sûr. Excusez-moi. Perte de puissance du moteur gauche. Le moteur gauche fume! Oh, le moteur gauche est en feu! Le système de surpression n'a pas fonctionné depuis des années. Alors croisons les doigts pour que l'incendie ne se propage pas au réservoir. Coupe le mélange et mets le moteur en drapeau. Voilà l'aéroport. Posons cet engin et vérifie que le train est bien sorti. Train sorti! Vous pouvez serrer les dents, et même plus si affinité. Mission accomplie. Je m'en souviendrai de celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en suis pas certain. Voilà des années que je pilote et je n'ai jamais vu ça. Les commandes de vol, les instruments, les circuits électriques et les moteurs. Eh bien, bravo à tous les deux. Vous avez géré la situation de manière très professionnelle. Je suis sûre que le musée vous récompensera comme il se doit. Ah mais ce fut un plaisir. J'espère juste que nous n'allons pas être obligés de ramener cette chose à Lima.